Mon frère, ceux qui te parlent, toi qui m'as insulté, ceux qui te parlent là, de m'insulter, ils t'aiment, en fait, ils ne t'aiment pas toi, parce que toi, tu sais, j'ai même mis de la valeur pour te montrer ici, là. Mais je l'ai fait pour Charles White. Je l'ai fait pour mon papa Ahmed Bérété. Je l'ai fait pour les autres, pour dire au monde que la maman de Mamadi Doumbouya n'est pas mieux que ma mère. Moi, ma mère, elle est Chérif Haïdara. Ma mère est mieux que. Pas parce que femme ou je ne sais, mais elle est la lignée du prophète Mohamed paix soit sur lui. C'est pas moi qui le dis. Hein. Le shérif Haïdara est mieux que tous les autres. Le shérif Haïdara. Le shérif Haïdara, c'est la lignée du prophète Mohamed paix soit sur lui. Donc la maman de Mamadi Doumbouya, Hadja Manjula n'est pas mieux que ma mère. Si tu sors, tu insultes ma mère à cause de Mamadi Doumbouya. Tu peux moi m'insulter parce que moi, c'est moi qui parle de Mamadi Doumbouya. Ma mère ne parle pas de Mamadi Doumbouya. Ma mère est contre tout ce que je suis en train de faire sur les. Ma mère ne veut même pas me voir sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'a pas de choix. Elle ne peut pas, elle ne peut ni me prendre, ni me frapper. Elle ne peut rien. Qu'est-ce qu'elle peut? Ma mère est contre le fait que je suis sur les réseaux sociaux. Si, à cause de Mamadi Doumbouya, tu sors, tu fais la même chose avec les militants de Sello. Hein? Vous savez, moi, la vie des gens ne compte pas chez moi. Tout ce que, si vous me voyez ici aujourd'hui, je n'ai pas envoyé des enfants pour insulter la maman de Mamadi Doumbouya. C'est à cause de mon papa, Ahmed Bérété. C'est juste à cause de lui. Parce que c'est un homme, je dis. C'est vrai, je sais que je fais des choses qu'il n'aime pas. Mais malgré que ce que je fais qu'il n'aime pas, là, au moins moi, je sais que je dose. Mamadi, les deux femmes qui sont en Guinée, surtout l'autre femme aujourd'hui qui veut de poste là, la femme monstre, démon noir, comme je ne sais quoi, la vieille qui a même âge que ma mère, avec son staff, ils ont un staff, ils ont leur clan, leur groupe de lesbiennes, c'est eux qui sont en train d'envoyer les gens d'insulter ma mère. Mamadi Doumbouya. Wallahi billahi tallahi. Il faut dire aux gens là de m'insulter parce que toi, tu t'es dit aujourd'hui président, non? Donc moi j'ai droit de te rentrer. C'est la démocratie. Quand tu fais des choses qui ne me conviennent pas, je vais venir te rentrer comme je veux. Mes parents, dis à tes personnes là, s'ils t'aiment, je dis, c'est comme ça que j'ai prévenu le cas de ces Loudalem. Ces enfants ne m'ont jamais insulté. Ce sont les soi-disant défenseurs. Et si le gars sortait m'insulter sans prononcer ton nom, sans dire Mamadi Doumbouya, hein? Je n'allais rien dire parce que peut-être c'est son choix de m'insulter. Il peut continuer à insulter mes parents, mais sans parler de CNRD, sans parler de toi, Mamadi Doumbouya. Wallahi, je ne vais pas envoyer des gens, ils vont répliquer. Mais si on insulte ma mère en disant ton nom, Mamadi Doumbouya, je vais faire venir, je dis, je vais mettre des petits. J'ai des petits, ils sont en Afrique quelque part, là, là où tu ne peux pas mettre main sur eux. D'accord? Je vais les mettre administrateurs sur la page. Ils vont venir insulter ta mère. Et elle, elle vit, hein? Et quand elle va voir ça, tu sais, elle va voir. Parce que moi, après, ici, ils vont couper les vidéos, là. Ils vont envoyer mettre sur partout. Donc, partout où tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas voir les gens. Ils vont prendre ta maman et toi. Ils vont coller et coller les gens. Et personne ne veut voir sa maman insultée. Donc, dis à toute personne qui t'aime, CNRD, Charles White, le procureur. Monsieur le procureur Charles White, quand on ne veut pas les gens jouent sur les réseaux sociaux, ça doit être dans tous les côtés. C'est pas parce que moi je suis contre le CNRD que nous les autres ont droit à insulter mes parents. Je peux insulter plus que toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Moi je suis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qui me domine, c'est l'islam, la religion. Et je sais insulter. Ah donc, le procureur Charles White, il faut dire aux personnes qui insultent les parents de Fatou Diallo d'arrêter. C'est une femme qui est en Guinée là-bas, qui les envoie, ces deux femmes, c'est des femmes même, c'est leur groupe là, elles sont nombreuses. Mais il y a une qui cherche de poste là. Elle veut être nommée par Mamadi Doumbouya. Donc il faut qu'elle m'attaque, il faut qu'elle envoie des gens, elle l'a fait sciemment. Il faut qu'elle envoie des gens pour l'insulter. Moi, on peut m'insulter. Ça ne me dit rien. Moi, je suis une femme. Je suis dans la politique. On peut m'insulter. On peut me traiter de tous les noms d'oiseaux. Ça ne me
dérange pas. Parce que c'est mon choix d'être dans la politique. Je pouvais être dans les showbiz. Je pouvais être dans beaucoup de milieux là où on respecte la femme. Mais chez nous en Guinée, déjà la politique, c'est un domaine que les gens ne respectent pas les personnes. Et surtout nous, chez nous en Guinée, la politique, ils voient ça comme si, ouais, quand tu es femme, il faut qu'on t'insulte. Quand tu es femme, il faut qu'on t'humilie. Et quand tu es femme, même quand ils ont des photos de toi, même quand tu, je ne sais quoi, il faut qu'on vienne t'exposer parce que pour eux, en faisant ça, ils t'ennuient. Non, vous n'avez rien compris. La femme, quand on est dans la politique, tu dois t'attendre à tout. D'ailleurs, c'est quand tu as le bonheur, c'est quand tu vois le respect que tu dois être surprise. Parce que c'est là, c'est de ça, ça tu ne t'attends pas à ça. Donc, s'il vous plaît, vous avez vu la vidéo. C'est long, je ne veux pas aller tout parce qu'il y a trop. Dites aux personnes qui envoient les gens d'insulter ma mère d'arrêter. Mamadi Doumbouya, sinon ta maman va tomber. Wallahi billahi tallahi Hadja Manjoula va faire une crise. Parce que je vais envoyer des gens, je dis, je vais faire venir des enfants. Même ici là, quand il m'a insulté, je pouvais mettre, quand il dit après, je dis, c'est Hadja Manjoula, tu as dit. Parce que c'est ce que j'ai fait avec ces loudales. Hein. Les personnes qui m'insultaient, je viens, je retourne tout. J'ai toujours repliqué. Même ça, je peux le faire tout à l'heure. Je dis, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est à la maman de Mamadi Doumbouya Hadja Manjoula. Et me regarde, tes soeurs, me regarde. Donc, je ne veux pas arriver là. Insultez-moi, mais ne mettez pas le nom de ma mère. Si vous ne voulez pas que Hadja Manjoula, Silla, qu'elle soit injuriée sur les réseaux sociaux par des personnes que je vais engager, qui vont faire tous les jours 6 vidéos, injures, et puis des vidéos de 10 minutes, 5 minutes, des injures en Malinké, en Poulard, en Soussou, en Forestier, les quatre langues. J'ai tous les petits mots. Donc, arrêtez. OK? Charles White. Hein? Charles White, mon procureur. Le procureur général. Hein? Tu sais, les gens, ils disent que moi, sincèrement, moi, Charles White, je n'ai rien contre toi. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je sais, tout ce que tu es en train de faire, c'est pas toi, en fait. Et on t'a vu dans le passé, le temps de Alpha. On t'a vu avec le FNDC. On a vu comment tu as toujours voulu être proche avec le peuple. Donc, si aujourd'hui, on voit que tu as la tendance s'est renversée, moi, je ne vais pas t'en vouloir. Moi, je sais que tu n'es qu'une télé à guider, quoi. Donc, c'est ce qui fait que moi, la seule personne, parce que c'est ce que je dis hier, quand tu veux voir les mangues à terre, il faut couper le manguier. Donc, vous tous là, on parle de vous, c'est parce que c'est Doumbouya qui est là. Quand il va dégager tout à l'heure, c'est fini. Toi, tu peux avoir une chance, le procureur. Peut-être que tu deviens ministre de la justice. À part ça, tu vas être conseiller à la Cour suprême parce que tu ne peux pas quitter procureur général et retourner dans... Non, 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 ça c'est fini quand même parce que tu es au sommet là. D'accord. Ça, c'était ça, c'est entre... Voilà, j'ai parlé de ça. Donc, j'espère que les personnes qui vont envoyer Mamadi Doumbouya et les gens de m'insulter à cause de Mamadi Doumbouya, insulter ma mère, vous allez comprendre. Et j'espère que Mamadi Doumbouya, toi-même, tu vas prendre tes responsabilités. J'espère que monsieur le procureur Charles Ouette aussi va prendre les responsabilités. Ils vont arrêter de dire aux gens d'arrêter d'injurier mes parents parce que mes parents n'ont rien à voir. Je vous parie que mes parents sont contre. Même de me voir sur les réseaux sociaux, c'est parce que ma mère n'a pas de choix. Donc, s'il vous plaît, avec un grand respect, il faut leur dire d'arrêter. Si, Mamadi, tu aimes ta mère. Mamadi, si tu ne veux pas voir ta maman sur les réseaux sociaux, et les... pardon, ok? Voilà, j'espère que là, c'est compris. D'accord. Maintenant, le procureur Charles White. D'accord. Mamadi Doumbouya, parce que c'est toi qui libères les gens. Merci aussi, parce que là, il y a Corbo, il y a Baldé qui a été libéré. Merci à la famille. D'accord. Merci à toutes les bonnes personnes, voilà, qui étaient là, qui ne voulaient vraiment pas que Corbo, il y a part en prison dans cette situation, là où il est sorti défendre l'islam. Donc, je suis très contente du fait qu'il est libéré aujourd'hui. Corboya Baldé, il est libre aujourd'hui. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Moi, Fatou, je suis très contente parce que je t'ai vraiment touchée. J'ai mal au cœur. C'est pas la prison de Corboya. C'est pas parce que, mais la cause.
J'aurais souhaité que Corboya part en prison pour autre chose qui n'a rien à voir avec ce qui l'a amené en prison parce qu'il a défendu l'islam. Vous voulez, vous ne voulez pas. Je suis musulmane, d'accord? Je ne ferai pas plaisir à quelqu'un pour ça. Je vais faire plaisir à mon créateur qui est Dieu. Et je vais faire plaisir, moi, à ma personne et à mes parents et à mon prophète Mohammed, paix s'aligne sur lui. Donc, tout ce qui est l'islam, là, je vais défendre. Je dis, tout ce qui est l'islam, moi, Fatou, je vais défendre. C'est parce que même je suis trop dans ça qu'il y a ces choses que je ne peux pas le faire. Donc, je suis très contente aujourd'hui d'apprendre que, ouais, Ibrahim Corboya Baldé, enfin libéré, il a rejoint sa famille et sa femme qui est en état de famille avancée, alhamdoulilah, bilalamin, parce qu'il ne devrait pas aller en prison pour ça. On ne devait même pas le transférer à la maison centrale pour ça, parce qu'il est sorti défendre l'islam. Donc, vous autres là, vous nous traitez des ethnos, vous nous traitez de tous les noms d'oiseaux. Arrêtez, vous savez, je ne suis pas ethno. Je ne veux pas vous mettre à votre place. Aujourd'hui, il y a des gens. Aujourd'hui, je suis tellement choquée dessus parce que sur mes commentaires et dans mon inbox, c'est les gens de. Les parents de Tamba. Quand je dis parents, les forestiers, c'est eux qui m'attaquent. Mais vous n'avez pas raison. Ne m'attaquez pas parce que ce n'est pas vous. J'ai pas dit, il y a des forestiers musulmans, vrai ou faux? Est-ce que j'ai dit que quand on est musulman, quand parce qu'on est forestier, on n'a pas le droit à épouser une fille peul ou une fille malinké ou soussou ou même forestière? J'ai pas dit ça. Je dis ce que notre l'islam nous interdit, c'est ça. Et ça là, je ne vais faire plaisir à personne à part mon créateur, mon prophète Mohammed, paix s'aligne sur lui. Ma personne, mes parents, je suis née musulmane. Et ce que notre Coran nous interdit, si ça là, parce que moi je parle, vous prenez ça, vous collez à la politique, ça n'engage que vous. D'accord? Ça n'engage que vous. Et regardez toutes les personnes qui ont soutenu Tamba là. Il n'y a que les parents, ceux de la forêt, qui sont sortis soutenir Tamba, s'attaquer à nous. Et vous voulez coller la politique sur ça. Moi, je suis peul. Mais personne d'entre vous ne peut dire ici que je suis ethno. Si j'étais ethno, comme vous autres, là, qui sont dans le RPG parce qu'ils sont malinqués, qui soutient un soussou parce qu'ils sont soussous, qui soutient un forestier parce qu'il est forestier, j'allais faire comme vous, soutenir seul loup parce que je suis peul, il est peul. Je ne vais pas le faire. Je l'ai fait dans le passé, dans l'ignorance, parce que je ne savais pas c'était quoi trop la politique. Et à partir de là, je vous ai dit dans tous mes directs passés, je ne suis pas une ethno. Je vais soutenir un soussou quand je vois ce soussou. Il me convient. Je vois ce soussou, il n'est pas ethno. Je vois ce soussou, il est là pour le bonheur du peuple. Je vais être avec ce soussou pour une élection présidentielle. Je vous ai dit, quand je vois un forestier qui n'est pas ethno, qui est là pour tous les Guinéens, qui veut le bonheur du peuple, je serai avec ce forestier. Je vous ai dit, quand je vois un malinké qui n'est pas ethno, qui est là pour le bonheur de tous les Guinéens, je serai avec ce malinké. Et je vous ai encore dit, quand je vois un peul qui n'est pas ethno, qui ne cherche pas le pouvoir pour sa communauté, qui ne cherche pas le pouvoir pour les peuls, qui n'est pas ethno, qui veut le bonheur de tous les Guinéens, je serai avec lui. Moi, je vous ai toujours dit, allez-y revoir mes directs. Moi, je ne parle pas au hasard. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je ne suis pas une ethno, moi. Et je ne vais jamais être ethno. Et je vais combattre toute personne qui est ethno. Toute personne qui est ethno, je vais te combattre. Je ne vais pas combattre l'ethnocentrisme dans mon camp et aller soutenir l'ethnocentrisme dans l'autre camp. Aujourd'hui, c'est le notre nom qui est gâté. C'est nous là. Hein? C'est nous. Quand on parle, c'est ce qui me fait mal. Ah, il faut faire la différence entre les peuls et l'IFDG. Ça me fait vraiment mal. Quand j'entends dire que les peuls, c'est des ethnos, à cause de moi seul, aignez-le, vous ne pouvez pas, personne ne peut dire que les peuls, c'est des ethnos. Parce que moi, je ne suis pas ethno. Vous pouvez parler de l'IFDG. Vous dites que l'IFDG est ethno. C'est lui, il est ethno. Moi, je n'ai aucun souci, je n'ai aucun problème. Vous parlez d'un parti politique et vous parlez d'un politicien. Ça m'est égal.
Mais aller coller, dire que les peuls, c'est des ethnos, ce n'est pas une vérité. Pas tous les peuls qui sont ethnos. Je ne suis pas d'accord. C'est comme pas tous les malinqués, pas tous les forestiers, pas tous les sous-sous. Moi, il faut me comprendre. Moi, je ne suis pas ethno et je ne serai pas ethno. Et je vais combattre l'ethnocentrisme. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous soutenez Mamadi Doumbouya parce que quoi? Parce que vous vous dites qu'il est malinqué. Et parce que vous vous dites que vous êtes malinqué. Donc, il faut le soutenir. Et vous êtes là, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire. Et moi, je vous dis, il n'aime pas les malinqués. Tout malinqué, si Mamadi aimait les malinqués, nous, on aime les malinqués. Moi, je suis peul. Je n'ai pas aimé les malinqués parce que je suis venue dans le parti. Je n'ai pas aimé le malinqué parce que je me suis retrouvée dans le RPG. Je vous ai dit, moi et les malinqués, c'est l'histoire là, c'est loin. C'est ce qui fait que je parle malinqué. Je ne parle pas couramment, mais tout ce que tu dis en malinqué, un, je comprends tout. Et je me débrouille. Et je me débrouille pour parler malinqué. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Je vous en prie. D'accord, je pense que là aussi, on s'est compris. Corboya est libre. Je suis contente. Alhamdoulilah, parce qu'il ne devait pas aller en prison. Ça s'est passé. Troisièmement, on va aller étape 3. Ali Force Spéciale. Hier, je suis sortie nuit avec la vidéo. Pourquoi je ne vais pas poster la vidéo? C'est pour l'image de certaines personnes, en fait. Bon, pour le respect d'abord de sa femme, parce que sa femme est sortie dans la vidéo pour son image, et pour deux autres aussi personnes qui sont sorties dans la vidéo. Donc, c'est ce qui fait que je ne pourrais pas poster la vidéo. Bon, même si je vais poster la vidéo, on va chercher d'abord à découper, voilà, à couper, à lever certaines parties et poster. Et même aussi pour la personne de Ali, parce que la façon dont on le brutalisait, d'accord, ça aussi, c'est voilà. Mais là, maintenant, ce qui concerne Ali, hier, on est allé lui chercher, je suis sortie, j'ai expliqué ça. Aujourd'hui, ce matin, ils sont arrivés chez Saliba Koulibaly. Donc, de là-bas, on l'a pris, on l'a envoyé là où je vous parle. Il est au recommandement, il est chez Bala Samoura et tout. Donc, ils ont demandé son téléphone et son téléphone est en route. Ils ont demandé son téléphone, voilà, d'envoyer, de faire venir son téléphone parce que quand ils sont venus, il paraît, voilà, il a un téléphone et puis son téléphone était à la maison là-bas. Donc, quand ils l'ont fait venir, ils ont dit maintenant, il est où son téléphone? Il dit, mon téléphone est chez moi à la maison. Donc, du coup, ils ont demandé aux personnes qui sont là où ils travaillent, au camp, d'aller chercher son téléphone. Donc, ils sont allés chercher le téléphone. Ils ont embarqué le téléphone. Le téléphone est en route pour Conakry. Donc, du coup, lui, en personne, pour l'instant, il est au recommandement. Comme ce que je vous dis, tout ce qui va arriver, c'est Sadiba, c'est Doumbouya, c'est Bala Samoura. C'est les trois personnes. Parce que quand ils l'ont amené directement chez Sadiba Koulibaly. De là-bas, Sadiba l'a transféré sur Bala Samoura. Donc, il est dans les mains de ces trois personnes. Et je vous parie que Sadiba ne peut pas faire quoi que ce soit. Bala Samoura ne peut pas faire quoi que ce soit sans l'ordre de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est un traître. Mamadi Doumbouya a traité le petit. Mamadi sait que son ami, là, bon, son frère, là, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a fait l'école militaire. C'est pas quelqu'un comme lui qui s'est retrouvé du jour au lendemain dans l'armée. Donc, il a les diplômes. C'est quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Voilà. Ce qui s'est passé au palais, eux, ils n'ont pas voulu nous dire. Il y a le gars là, il a la bouche d'air, mais ça, il ne dit pas. 1m20, Moussa Moïse, ce qui se passe là, on va la connaître. Hein? Si après tout ça, là, Moussa Moïse va nous tout mettre sur les places publiques, il va chercher à se défendre, il va dire, ah, c'était un pouvoir militaire, j'avais peur, je n'osais pas. Et puis, il va enregistrer, tout le monde s'est déjà enregistré. Wallahi billahi tallahi, s'est déjà enregistré. Je dis, les gens de l'espace, je ne connais pas pour Lamine Girasside, mais Moussa Moïse, et puis, c'est déjà enregistré. Ils enregistrent les gens. Wallahi billahi tallahi. Parce que moi, on me demandait d'enregistrer. Je dis, je ne fais pas. Je ne vais jamais enregistrer quelqu'un. Le jour où je vais le faire, quand la reprend moi ma vie. Enregistrer quelqu'un. Je dis,
Si c'est ce qui va moi prouver moi mon innocence, je ne serai jamais innocente. Jamais. Quel qu'en soit. Donc, Moussa Moïse est là-bas en train d'enregistrer pour se défendre demain parce qu'il sait déjà qu'il y a eu un mort. Il y a eu un mort sur la tête du CNRD. On ne parle pas des autres parce que moi, je sais tous nos victimes là. C'est Mamadi Doumbouya qui est responsable. Les tueries sur l'axe là, ce n'est ni Alpha, ni son gouvernement. Alpha n'est plus là, son gouvernement n'est plus là, mais il y a eu encore quelqu'un encore parce que le système est là. Et le système, c'est Mamadi Doumbouya. C'est ça la vérité. Le système là, ce n'est ni 2, ni 3, ni 4, c'est Mamadi Doumbouya et son Bala Samoura. C'est eux. Donc ils ont continué encore à faire leur sale boulot comme d'habitude. Donc, peuple de Guinée, pour ce qui concerne Ali, c'est l'information que j'ai eue. L'information vient de ce Sadiba. Sadiba, je dis. Et en plus encore, deuxième information aussi vient du haut commandement, parce que les gens croient en moi. Troisième information vient avec les jeunes du Force Spécial là-bas, là, son entourage dans le palais là. Voilà, parce qu'ils savent que voilà, nous on ne ment pas. Et je ne vais jamais les exposer et tout. Mais l'information, maintenant, c'est toi que c'est. Si tu vas aller arrêter tous les hommes de Sadiba, si tu vas aller arrêter tous les hommes de Bala, et si tu vas arrêter aussi tous tes hommes. Mais j'ai reçu trois informations venant de ces trois, de chez toi, le palais Mohamed V, et chez Sadiba, et puis le haut commandement. Donc, du coup, et sortez, vous allez me démentir. Là, le téléphone, quand Ali est venu, il était chez Sadiba. Après, là-bas, Sadiba l'a envoyé chez Bala. Donc, on est là-bas en train d'interroger et tout. Il est là-bas. Vous avez appelé à l'intérieur du pays d'embarquer son téléphone. Donc, son téléphone a été embarqué. Ça y est, en route, ils viennent pour voir avec qui il parle. Mamadi, tu sais que tu as fait mal aux enfants là. Et tu penses que tu sais ce qui fatigue nous, les Guinéens, en faisant, quand tu fais mal à quelqu'un. Pour toi, plus tu fonces, plus tu vas gagner sur la personne. Quand tu fais du mal à quelqu'un, aie le courage d'appeler la personne pour s'excuser. Je te parie, quand on est humain, quand tu fais du mal à quelqu'un et que tu as le courage d'approcher la personne, dire que ce qui s'est passé, ça a été une erreur. Je suis désolé, je te demande pardon, excuse-moi. Wallahi, c'est ce qui fait la différence entre Alpha Condé et tout le monde. Alpha, s'excuser, c'est comme bonjour chez lui. Il ne se voit pas supérieur à la personne. Quand il y a un problème, il cherche à résoudre. Quand il y a quelque chose, il dit que ça a été une erreur, donc il est désolé. Mais tu vas être content, en fait. Tu n'as plus gardé de haine. Nous, là, et surtout nous, les Guinéens, il y a quelque chose qu'on aime, le respect. Il y a quelque chose qu'on aime, l'honneur. Il y a quelque chose qu'on aime, la considération. On aime ça. On aime quand on nous respecte, quand on nous honore et quand on nous considère. Doumbouya, après le jour où les gens là sont sortis là, fallait les appeler, ils viennent au palais. Tu te dis, tu leur dis, hey, ça fait partir de votre destin. Ce qui s'est passé est passé. Vous, il faut dire Alhamdoulilah, il y a eu vos amis qui ont perdu leur vie. Il y a eu d'autres militaires qui ont perdu leur vie. Si vous, vous êtes allé en prison, c'était parce que c'était votre destin. Ce qui s'est passé, oublions tout ça là et passons à autre chose. Tu les remets quelque part. Mais tu t'es dit dans la tête, de fait que tu les as mis en prison parce que tu es un rancunier, Doumbouya, parce que tu es un haineux. Parce que tu sais, toi, tu gardes la haine. Parce que toi, tu sais que tu gardes la rancune. Donc, tu sais que toi, quand on te fait là, tu ne vas jamais pardonner. Donc, du coup, tu t'es dit que aux personnes à qui tu as fait du mal, pour éviter qu'eux, ils payent pour eux, c'est de les éloigner. Tu as pris les gens là, tu les as départagés. Ils étaient 8. Les 8 là, chacun est allé. Hein? À Guéguetou, à Massanta, même au Fouta. En basse, tu les as départagés. Un. Maintenant, l'autre est là-bas avec sa famille. Tu l'appelles, vous l'appelez. Tu dis à son chef hiérarchie, tu l'as envoyé à Guéguédou. Juste complément d'effectif. Il n'a même pas de poste. Il n'est rien là-bas. Tu dis à son chef de l'appeler et tu lui demandes ce qu'il a. Qu'est-ce que vous voulez? Mais allez chercher les personnes intimidées. Tu penses qu'on est dans quel monde, Mamadi Doumbouya? Tu penses intimider qui? Et nous, on va réveiller les consciences des militaires. On va dire à nos militaires. Et puis, wallahi, ce n'est pas ceux qui sont loin. Hein.
ton entourage là, un jour on va se réveiller ici. Moi, tout ce que je crains, c'est pour ne pas qu'on mette une balle, on loge une balle dans ta tête. Parce que moi, ce que je veux, c'est pour qu'on loge une balle sur tes pieds. C'est pas dans ta tête, ni dans le ventre, ni partout où tu peux mourir en fait. Wallahi, je veux qu'on loge une balle et ça va se faire. Parce que le militaire, aujourd'hui, c'était nous les civils qui étaient là pour eux. C'est nous qui prenaient de l'argent en donné aux civils et aux militaires. Et aujourd'hui, qui est le civil qui va prendre 1000 francs donnés à un militaire? Tu es maudit? Ils sont au pouvoir. Et tu sais, ils n'ont rien. Même le carburant pour mettre dans leur moto, c'est des problèmes. Ils n'ont rien absolument. À part vous, les officiers là. À part vous qui sont dans le palais là. Les autres là, c'est comme s'ils n'ont jamais existé. Maman dit, les militaires aussi... ils ont leurs parents. Il y a les militaires, il y a les parents militaires. Ils ont leurs enfants, ils ont leurs femmes, ils ont leurs belles familles. Eux aussi, ils ont... Et est-ce que tu oublies? Après ton tal là, ils vous seraient tous jugés et condamnés. Je dis, Mamadi Doumbouya, les militaires là, les Sadiba là, les Bala Samoura là, les Amara là, les Idi Amin, et toi en personne, vous les têtes là, je dis, vous allez tous aller à la maison centrale. Où on vous envoie à Kindia, vous allez payer. Tu sais ce qui le chanceux parmi vous tous là, c'est Idi Amin. Parce que lui au moins il est vieux. Lui au moins peut-être s'il a 10 ans ici là, c'est bonus. Vous avez vu non? Donc lui peut-être c'est le plus chanceux parmi vous. Et mais vous autres là, vous êtes des jeunes. Donc vous voulez. Hein? Amara, toi même tu sais tes enfants là, c'est des bébés. Doumbouya au moins il a des enfants grands. Mais toi tu sais, tous tes enfants c'est des bébés. Toi tu veux pourrir. C'est que toi tu veux pourrir en prison quoi. Toi tu veux que tes enfants là grandissent à ton insu. Dans les rues comme ça. C'est ce que vous voulez? Même si c'est 3 ans, ça c'est arrivé. On prie Dieu qu'Allah nous donne longue vie. Je dis 3 ans là. Ça c'est bientôt. À plus forte raison. Donc ce qui concerne le cas de Ali, c'est ça. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Et là, là où je vous parle, il est dans les mains de Bala Samoura, dans le haut commandement. Donc, ce qui va arriver à Ali, c'est Sadiba, c'est Bala, c'est Doumbouya. Voilà, c'est ça. Et je t'ai sorti ici pour vous dire. Moi, je vous ai dit ici, ils vont arrêter les docteurs Kassouri. Le jour où je suis sortie pour faire le deal, je dis, il y a des gens aussi qui vont envoyer. Je sais, je dis, j'ai tout le plan du CNRD. On me dit tout parce que les gens ont confiance en moi. Et c'est son entourage dans le palais là-bas, là, des personnes qu'il ne peut pas... Je dis, les militaires, n'ayez même pas peur. On est ensemble. Je dis, je suis avec vous. Cette fois-ci-là, le peuple va vous accompagner. Ne tirez pas sur sa tête ni sur je ne sais où, mais sur ses pieds, sur son pied, même pas ses deux pieds. Bon, même si c'est les deux, c'est pas grave. Mais sur un pied, là, il faut tirer. Il faut faire partir Mamadi Doumbouya. C'est seulement ça et le peuple va être avec vous. Ce que Mamadi est en train de faire, ça ne marche pas. Personne ne va le soutenir dans ça, à part les ethnos. Et nous, on s'en fout de toute personne qui est ethno. Toute personne qui est ethno. Et moi, je vais vous dire, ceux qui croient en Fatou, ceux qui croient en moi, hein, Alpha Condé n'est pas avec Mamadi Doumbouya. Alpha Condé n'est pas dans l'idée de Mamadi Doumbouya. Alpha Condé est séquestré par Mamadi Doumbouya. Alpha Condé peut-être c'est... Bon, donc je ne veux même pas rentrer, je ne veux pas trop parler. Ne soutenez, je dis, si vous aimez Alpha Condé, si vous voulez faire plaisir à Alpha Condé, moi je vous dis de ne pas soutenir Mamadi Doumbouya. Si vous aimez Alpha Condé, ni Alpha Condé du Malien, ni RPG du Malien. N'allez pas faire qu'Alpha Condé dit un encore qu'elle ne fait pas mieux le yoko. N'ta fait que kuma be foya. N'ti kuma be fola. N'ti ouya fola. Wallahi billahi talai. Alkana Mamadi Doumbouya soutenu. Alba soutenu. Alba Alpha Gite. N'kuma wa tise dis. N'kuma wa tise. Wodi abase. N'di kuma wa tini. Amase. N'ti se kuma be fola. Mais n'di kuma. N'di kuma l'nye. Donc du coup, Alkana Doumbouya a soutenu. Alkana fo mana kuma o maninka kuma o Alkana ke. Mamadi ya fe ka pouvoir di lance na kuyatema anu mo breye mo fla aflana wonte woto fola. Donc ni RPG. Alpha Condé ka kobe minke opposition ha ka mansa ya so. Mamadi na ay Alpha Boy men na ay bansa ya ta ayati lance na kuyatema. Comme kuyatefana
ne mal on dirait hein. Mtimona na kam mafoi. Bon, ni parce que kuyate maninkale, hein? Mais alkana nyina fenkeling. Mama dit c'est l'udalen écarté là. Kaka sori écarté. Ka sidia écarté. Aye pouvoir ta ya di donc e finkema. Lansana kuyate ma. La Guinée aye ke comme si foi maké. Nko la Guinée et dit la Guinée gene ni le kakuma ofo alnyane. Ko ka sori fofana premier ministre le non c'est un ex premier c'est un ex quoi ministre premier ministre c'est le son ex premier ministre Sidia c'est un ex premier ministre et ka et lansana kuyate lui n'a jamais été même il a même pas eu de matricule dans l'état guinéen en fait quoi c'est ça Mamadi si que tu as envie de faire là dire que tu vas exclure Sello Skassori, comment je vais dire, Sidia, pour donner le pouvoir à Lansana Kouyaté. Parce que lui, il est qui? Parce que c'est ton parrain, il est malinqué. Non. Quand tu fais ça, la Guinée ne sera pas calme. Ça, je te dis. Moi, je suis dans le RPG et j'assume. Je soutiens le RPG. Et personne, je dis, je ne suis pas là-bas pour les petites personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui... pas que moi je parle du RPG. Mais je vous ai dit, moi je suis pas comme vous. Vous n'avez jamais vu le propriétaire du RPG. Vous ne connaissez pas c'est quoi le RPG. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là sur les réseaux sociaux, c'est à cause de même mon frère et moi. De fait qu'on était là, on parlait du RPG, parce qu'on était là, on montait, on descendait, vous avez vu le bonheur, vous avez vu tout. Après, beaucoup d'entre vous, vous êtes lancés comme ça, vous êtes dit RPG, c'est parce que pour vous, vous allez être comme nous. Vous êtes lancé dans le RPG. Ça a changé quoi dans vous? Rien du tout. Donc, moi, je suis au RPG parce que le jour où je suis venu au RPG, c'est le président du RPG qui m'a reçu. Le président de la République qui m'a reçu. Et on s'est dit ce qu'on avait à se dire devant des témoins, devant Albert Damanton, devant Ba Ousmane, devant Tidiane Traoré, mon papa, devant... comment il s'appelle, Baidi Haribo, mon grand frère. Je lui ai dit ce que j'ai à lui dire, il m'a dit ce qu'il a à me dire. Donc il m'a dit, regarde-moi. Sur ce regard-là, je suis en train de continuer parce que j'ai compris quand il m'a dit, et c'est moi tu dois regarder dans le RPG. Ne regarde personne, ne prends rien en compte. Tout ce qui va se passer, tout ce que tu vas gagner, tout ce qui va t'arriver au sein du RPG, pense à moi, tu me regardes. Donc moi, je ne suis pas rentrée par procuration. Hein. Je n'ai peut-être pas été reçue par certaines personnes. Et après, le président de la République nous a demandé aussi d'aller au siège, voir Salimou, tous les bureaux politiques qui m'ont demandé de faire le choix d'être dans... parmi les membres du bureau politique, mais je savais que ça allait être de la quinine, je savais que l'IFDG allait s'attaquer à moi et je n'allais pas me laisser faire. Donc, je savais que je ne pouvais pas être dans le bureau politique parce qu'il y a de ces choses, je ne pouvais pas le faire. Donc, du coup, je dis non, j'ai expliqué et Salimou Cissé, il est vivant. Aliewa Salimou Cissé, tonton Salimou Cissé, Magnénika. Aliewa Magnénika, il est vivant. Quand on l'a demandé de me demander de faire mon choix, ou aller dans les bureaux avec les femmes. Je dis non, comme eux, ils sont plus âgés et tout. Et je sais que, de toute façon, je suis dans le RPG. Je sais que je vais avoir des attaques de l'IFDG et je ne vais pas me laisser faire. Donc, avec les vieilles femmes, les bureaux de femmes du RPG, c'est pas ma place. Parce que, voilà. Je dis, je vais rester... avec la jeunesse, bureau des jeunes, je suis là-bas et mon nom est inscrit. Et je dis, je suis dans le RPG. C'est pas dire que je suis RPGiste. Et c'était une obligation aussi parce que j'étais simple. J'ai dit au président, je dis, moi, la l'IFDG, donc je vais pas venir être torchon. Donc il veut que je. Voilà. Et il sait. Donc. Je n'ai pas quitté un parti comme l'IFDG, où quand je voulais voir le présent, je le vois quand je veux, comme je veux.
Même s'il a l'audience, quand il me voit, il se lève, on rentre, on parle, on se dit ce qu'on a à se dire. Et puis je sors. Donc je ne vais pas venir au RPG sans que cela aussi soit la même chose. Quand tu quittes quelque part, tu vas, c'est pour avancer. Ce n'est pas quitter et puis se retourner. Donc, mon fatigué, moi je t'aime, je te jure. Merci, je t'aime aussi, je vous aime beaucoup. Donc, c'était ça. Je ne soutiens pas Doumbouya parce que je ne suis pas ethno. Ceux qui soutiennent Doumbouya, vous êtes des ethnos. Vous êtes des ethnos. Vous êtes des ethnos. Maman dit Doumbouya, et c'est l'Odalé. Je préfère c'est l'Odalé. J'ai bien fait parce que les 11 ans que moi, les 8 ans que j'ai fait dans l'IFDG, on n'a pas pu déloger Alpha Condé. Quand j'ai quitté les 11 ans d'opposition de ce Lodalé Ndiallo, il n'a pas pu déloger Alpha Condé. Il n'a pas délogé Alpha Condé. C'est pas celle qui est allée chercher Alpha. C'est pas celle qui a pris Alpha pour l'envoyer sur l'axe. C'est pas celle qui a pris Alpha Condé, lui a bloqué ses téléphones, son ordinateur. C'est pas celle Lodalé qui fait monter Alpha, lui faire descendre comme s'il était un drapeau. Tout ce qu'Alpha Condé est en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas Lodalé. Si Mamadi veut libérer Alpha, définitivement, il peut le faire. Tout ce qu'il veut faire là, tout ce qu'Alpha Condé, tout, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, si vous soutenez Doumbouya parce que vous vous dites que vous êtes malinqué, vous, les petites personnes, ce n'est pas tous les malinqués, vous, vous connaissez. Moi, je vous ai dit, tous les vrais malinqués là, ils sont dans l'esprit d'Alpha Condé. Ils sont dans moi, mon esprit, parce qu'ils savent, au-delà de la politique, je les aime. Ils le savent bien. Et Nielo aussi, je vous dis, Nielo aussi, c'est la même chose. Il aime Alpha Condé, il aime le RPG, il aime les Malinké. Donc si Nielo, ce qu'il est en train de subir, traverser, c'est parce qu'il a aimé. Et quelqu'un qui se dit de cette communauté, il n'a pas trouvé quelqu'un à qui pour faire mal. Et d'ailleurs, pour qui? Pour Seluda et l'IFDG. Au moins, Doumbouya pouvait nous me combattre mon frère, à cause de tout le monde, mais pas à cause de l'IFDG et Seluda. Maman dit Doumbouya, je suis sortie si j'ai tout fait, parce que pour certaines personnes, je cherchais où m'accrocher. Vous me connaissez? Quand je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi. Quand je veux de... Moi, je fais ce que bon me semble. Je peux laisser certaines choses à cause des personnes que j'aime. Je dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin, dans cette situation, j'ai rencontré cet homme qui est Maître Bérété, qui est mon père aujourd'hui, pour qui, même quand j'ai... Sinon, je dis, je pouvais venir sur les réseaux sociaux cette fois-ci, me déshabiller, faire des directs et insulter Mamadi Doumbouya. Insulter, je vous dis, j'allais insulter. Me déshabiller, hey, mon corps joli là. Et je sais ce jour-là, j'allais avoir, je vais dire, tant que ce n'est pas 50 000 personnes, je ne vais pas. 50 000 personnes, je vais me déshabiller. Et puis les gens vont venir, je vais me déshabiller, je fais le direct. Et puis je dis, quand j'insulte Mamadi Doumbouya, je montre même les parties que j'insulte. Quand j'insulte sa pauvre mère, j'allais montrer même les parties là, mes parties là. Parce que ce que j'ai là, toutes les femmes, c'est ça, on a. On a les mêmes parties intimes. C'est la même chose. Ce qui différencie, c'est noir, blanc, c'est ça. Mais c'est la même chose. Et peut-être ce qui différencie, c'est ceux qui sont excisés et ceux qui ne sont pas excisés. Et de nos jours, c'est maintenant, peut-être on peut trouver des femmes qui ne sont pas excisées. Sinon, toutes les femmes du passé, elles sont tous excisées. J'allais venir montrer mes parties ici. Mais à cause de Maître Bérité, la personne que j'aime, je dis, je ne l'ai pas aimée, je ne l'ai pas connue dans le pouvoir. Je l'ai connue récemment. Et il a été là pour nous. Donc, à cause de cet homme qui me retient de faire certaines choses, wallahi billahi, Dieu même, hein, parce que moi, je n'ai personne. Je n'ai ni de mari, je n'ai rien. Mes enfants, c'est des Américains. Après, quand vous allez parler, ils vont dire, c'est la vie de ma mère, I don't care about. C'est ça, ils vont dire. Ils vont dire, je m'en fous, c'était la vie de ma mère. Et elle s'en fout de sa vie, elle fait de sa vie ce qu'elle veut. C'est ça l'américain. Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Donc, Dieu merci que cet homme est rentré dans ma vie. Il est mon papa aujourd'hui. À cause de lui, il y a de ces bêtises sur les réseaux sociaux. Je vais tout faire pour ne pas arriver. Donc, arrêtez. Arrêtez, arrêtez d'être ethno. Arrêtez. Moi, je dis dans l'affaire là, je soutiens Seludale.
Parce que ce que vous, vous avez oublié, vous pensez, si on supprime l'IFDG, le RPG. Le RPG, je dis, ce n'est pas un problème devant Mamadi Doumbouya. Croyez-moi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'IFDG. Et c'est ça le problème. Et vous ne voulez pas. IFDG, c'est un parti que nous-mêmes, le RPG, on souhaite de les revoir à une élection présidentielle. Nous-mêmes, on veut qu'ils viennent participer. Quand ils ont dit qu'ils ne vont pas participer, on a fait deux fois les reports pour qu'ils participent aux élections. Mais comme vous, vous ne connaissez pas, c'est quoi? Moi, je ne vais pas trop parler. Ce qui reste clair, ce que je suis en train de faire, je ne suis envoyée par personne, ni de Alpha Condé, ni de personne du RPG, sur la vie de mes enfants. Mon soutien, je le fais moi-même, ma personne. Je ne le fais pas au nom du RPG, je ne le fais pas au nom d'un cadre, je ne le fais pas au nom de Alpha Condé, je ne le fais pas parce que je suis peul. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de me venger de Selou Dalès. Je dis, si je voulais mettre Selou en prison, c'est moi-même. Mais j'ai vu ça venir, j'ai vu leur manipulation, j'ai vu leur manigance. Je n'aime pas les personnes ethno et je n'aime pas aussi les personnes manipulateurs. Je n'aime pas, c'est mon totem, je n'aime pas voir les gens manipulateurs. Et Mamadi et son clan, c'est des manipulateurs. Ils ont manipulé Selou, ils ont voulu moi me manipuler. Moi, on ne me manipule pas. Celle-là est tombée dans leur filet. Je dis, je jure sur le Coran, je suis sincère. Tout ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas au nom de mon parti. Je ne le fais pas en tant que militante du RPG. Je le fais en tant que Guinéenne. Et parce que je suis libre, c'est la démocratie. Je soutiens qui je veux. D'accord? Donc, dans l'affaire là, je soutiens celle-là. Dans l'affaire là, Mamadi Doumbouya, tu as tapé poteau. Et vous qui dites là, si Selou ne vient pas, Selou, Erguinée a été collée sur toi. Selou, Erguinée a été collée sur toi. Selou, Erguinée a été collée sur toi. Si tu ne viens pas, c'est qu'on a compris. Tu as pris quoi? Tu es témoin. La justice, il y a une justice en Guinée actuellement. S'il y avait une justice... Hey, Selou, tu sais, je vais te dire, hein, est-ce que tu sais dans l'affaire là, Dieu est avec toi? Parce que ce qui te protège aujourd'hui, et ce qui va te protéger, et ce qui va faire que la communauté nationale et internationale, et toute personne qui va dire la vérité en République de Guinée, ils vont te soutenir parce que Mamadi Doumbouya a montré au monde entier, à la communauté nationale, à la communauté internationale, que la justice que lui, il avait dit, va être la boussole, tel n'est pas le cas. C'est lui la boussole. C'est lui. On rend la décision. Ce que lui, il veut, là, c'est ce qu'ils vont rendre. D'abord, le jour où vous avez demandé de faire sortir Selou Dalès de sa maison, quand vous avez donné le délai le 28, vous êtes allé lui chercher. D'abord, le 28 là, d'accord, vous avez dit le 28, il avait jusqu'à 0h, jusqu'à 23h58, Selou Dalès avait, il devait rester sur lui jusqu'à 23 parce que vous avez dit le 28. Donc le 28 a commencé la nuit à 0h. Du 27, et ça allait terminer à 23h59 pour qu'on rentre dans le jour du 29. Donc, il avait toute la journée. Mais dès 10h, vous êtes parti pour le faire sortir. Moi, si j'étais le conseillère de Selou, d'accord, je sais, si je lui conseillais ce qu'il allait faire. Et je dis, dans l'affaire là, vous allez partir. Parce que dans l'affaire là, je serai, je dis, tout ce que le peu que je connais en politique là, les bonnes relations que j'ai là, les personnes clés que j'ai là, je vais être dans l'ombre avec ces gens-là pour te combattre, toi, Mamadi Doumbouya. On va te combattre. On va te montrer, à travers toi, le peuple va comprendre c'est quoi Fatou Nyelou. De quoi elle est capable, en fait. Mamadi, avant que moi je ne vienne au monde, ma mère a fait 9 ans. Mamadi, 9 ans avant que moi je ne vienne au monde.
Je ne suis pas comme ça, Mamadi Doumbé. Moi-même, quand je suis fâchée contre toi, tu vas avoir des problèmes. Vous avez vu, c'est Loucé. C'est quand nous, on est rentré en guerre qu'il a été déstabilisé. Mamadi, quand tu cherches... Nous, c'est nos arriérés qui ont fait des prières pour tous ces enfants et petits-enfants, leur lignée. Donc, nous, là, quand tu n'as pas quelqu'un à qui combattre, wallahi billahi, quand on est ami avec toi, dis-toi alhamdulillah, tu vas t'en sortir. Vous avez vu tout le monde, Alpha Condé, avant qu'on ne le rejoigne, comment il était? Le président le plus insulté, le plus présent le plus... C'était le président, nanana. Mais quand on est venu, comme on aimait Alpha, comme on avait l'amour pour Alpha, on est venu le soutenir, ça s'est renversé. Celui-là est redevenu l'opposant le plus insulté et Alpha, on a imposé le respect. C'est pas que nous seulement, on n'est pas seul. Les prières là, la seule chose qui peut abattre un kafre, ce sont les prières. Tu dis comme ça, Allah, tu es unique. C'est toi qui as créé ce kafre. C'est grâce à toi ce kafre se dit aujourd'hui tout ce qu'il pense d'être. Donc toi, tu es plus fort que tout. Tu es le créateur du ciel. Tu es le créateur de la terre. Toi, l'unique. Donc moi, c'est ça, c'est les prières là. Je crois tellement en Dieu, je n'ai peur de personne et je n'aurai peur de personne. Je vais respecter les gens. Et je vais aimer les gens comme ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie avec le maître Bérité. Je l'aime, je le respecte. C'est vrai. Parce que si je faisais ce que lui, il veut là, à 100%, même sur les réseaux sociaux, je n'allais pas m'asseoir. Mais ça aussi, ça va venir. Ça va venir. Donc du coup, la famille. On va faire partir Mamadi Doumbouya. Vous allez comprendre qui nous sommes. Je n'ai pas voulu soutenir Doumbouya parce que je voulais où m'accrocher. Je ne cherche pas le départ. Niel ne cherche pas le départ, je ne cherche pas le départ. Et ce que nous avons connu, ce n'est pas le RPG qui nous a donné tout ce que nous on a eu. On est venu avec ce que nous on avait. Et c'est vrai, aussi grâce à Alpha Condé, on a eu plein de choses par notre intelligence, par notre façon. Ouais, il n'a pas pris des milliards pour nous donner. Mais le moi, par exemple, mon entreprise qui était là, j'ai toujours cherché à avoir des petits marchés. Et tout ce que je gagnais, je n'ai jamais... J'ai toujours, tout ce que je gagnais, j'avais des gens qui étaient là. J'ai toujours partagé aux gens. C'est pas Alpha qui m'a donné pour leur donner des... Mais le peu que je gagnais, j'ai toujours partagé aux gens. Et c'est ce qui m'a toujours aidé. Parce que toutes les personnes qui ont voulu, moi, me faire du mal aujourd'hui... Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu, ils ne pourront jamais m'atteindre, moi. Donc, RPG Arc-en-Ciel, les vrais militants de Alpha Condé, ne soutenez pas Mamadi si vous aimez Alpha Condé. Vous pouvez soutenir Doumbouya parce que il est malinqué, vous êtes malinqué, je suis d'accord. Vous pouvez soutenir Doumbouya parce que vous voulez votre intérêt, vous n'avez pas eu quelque chose avec Alpha Condé, je suis d'accord. Mais si vous aimez Alpha, pas pour ce que il avait, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour le RPG, et ce qu'il a fait pour la Guinée, et ce qu'il voulait faire pour la Guinée, et que ce bandit délinquant, Mamadi Doumbouya, est venu le prendre pour dire que non, Alpha ne peut rien, c'est lui qui peut. Il est venu faire tout ce qu'il a fait, il a vu la vérité, il a compris que gars, c'était lui qui s'est trompé, ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, il est en train de payer les prix. Et maintenant, aujourd'hui, il sait que certaines personnes qui sont dans le RPG, pour que eux, les gens-là, le soutiennent, lui, Doumbouya, il faut qu'ils arrêtent Selou et Sidia. D'abord, pour que d'abord certains RPGistes même le soutiennent, il fallait arrêter Dr Diané, il fallait arrêter Kassori. Parce qu'il y a des RPGistes qui n'aiment pas Alpha Condé, qui n'aiment pas Dr Diané, qui n'aiment pas Kassori. Ils se disent, les deux-là ne les ont pas aidés. Il y a des RPGistes. Donc, Doumbouya, c'est ça. Donc, fallait prendre ça. Surtout, ceux de Kankala, ils n'aiment pas Dr Diané parce qu'ils se sont dit Dr Diané ne les a pas aidés. Pourtant, ce n'est pas Dr Diané. Moi, je vous ai dit, je suis contre ça. Je dis, devant, moi, je n'ai jamais, sur la vie de mes enfants, sur la tombe de mon père, je jure entre Dieu et moi et le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Je n'ai jamais, si j'ai une fois serré la main de Dr Diané, moi qui vous parle,
qu'Allah reprend ma vie. Je n'ai jamais serré la main de Dr Djane. Je n'ai jamais vu Dr Djane comme ça, on a parlé. Je n'ai jamais parlé avec Dr Djane au téléphone. J'ai entendu la voix de Dr Djane au travers le téléphone de mon frère quand je suis pas allée assister, comment je vais dire, à l'investiture, quand je suis sortie faire ma vidéo. Il a appelé Ousmane. Ousmane voulait me donner le téléphone, j'ai fait comme ça. Donc il a dit à Ousmane, dis à ta soeur de venir, je ne suis pas allée le voir. Moi je me disais, j'avais tout, j'avais Alpha Condé, je voyais Alpha quand je veux. Je l'appelais, il décroche. Je l'appelle, il ne voit pas, il me rappelle. Je me dis, quand tu vois Dieu, pourquoi aller chercher encore les anges? On cherche les gens, c'est quand on ne voit pas Dieu. Tu as vu Dieu? Tu vas te retourner pour chercher les anges, pourquoi? Donc moi, c'était ça, moi, ma philosophie. Quand je rencontre les gens, Docteur Djane, à Cancan, j'étais derrière lui. Il était là, assis. Je l'ai vu là-bas. Et je l'ai vu aussi au siège de l'IFD, du RPG Arc-en-Ciel. Co-IFDG, là. Et du RPG Arc-en-Ciel. Les autres, là, je les vois. Oye Gilavogui, je ne l'ai jamais vu. Je ne les connais même pas. Je dis, les ministres, mes grands frères, mon grand frère que j'ai fréquenté, qui était mon frère, à qui Alpha m'a confié, c'est Albert Damontan, que je voyais tout le temps quand on avait un programme de travailler. Voilà. À part lui, je suis allée dans deux ministères. Et ça, il y avait un opérateur économique qui est venu offrir des cadeaux et de l'argent au président au moment des campagnes. Donc le président m'a dit, il faut aller voir tel ministre, vous allez lui remettre. Et une autre personne aussi, le président aussi m'a demandé, lui aussi il était venu, un autre aussi opérateur économique qui est venu avec des motos. Et puis de l'argent. Le président encore m'a dit, il faut aller voir tel ministre, vous allez aller le voir. On est allé voir ce ministre, on l'a remis l'argent et même une moto, je n'ai pas eu dans ça. Parce qu'il y a d'autres personnes, quelqu'un qui est venu te voir. Tu vois, même toutes les personnes que j'ai amenées, je n'ai jamais dit, ok, pour que tu soutiennes. Moi-même, ça me faisait plaisir. Quand on sait qu'on peut témoigner, ça me faisait plaisir de faire venir des gens qui vont soutenir Alpha Condé. Dans l'ombre, et puis des personnalités, des personnes que vous ne pouvez même pas imaginer qui pouvaient faire ça. Des grands magnans commerçants qui sont aussi dans le IFDG, qui financent l'IFDG. Qui sont les pliés de l'IFDG. D'accord? Donc moi, Diakaria Koulibaly, c'est quand il n'est plus ministre là, je l'ai vu une seule fois. Une seule fois. Et ça, c'est à cause aussi d'un jeune communicant du RPG. Je suis allée avec lui. Et parce que aussi, ma famille allait pleurer. Ma mère est allée pleurer chez lui là-bas. Ma petite soeur et ma prime, ma mère, ils sont allés pleurer là-bas. Et ils ont dit que le problème, c'est moi. Donc, fallait moi m'appeler pour me dire que ah, le problème, c'est toi. Je dis, ah ouais, c'est le problème, c'est moi, j'accepte. C'était ma première fois. Et ma mère voulait aussi me rencontrer, je n'ai pas voulu. Donc, ils ont passé par le grand frère Diakaria Koulibaly pour me voir. Il ne m'a pas même dit que ma mère était là-bas. Ils ont dit à un jeune communicant du RPG, lui, il est venu, il m'a appelé, ils étaient ensemble, c'est lui, avec même le téléphone de ce jeune, quand il m'a appelé pour dire, ah, le grand frère veut te voir. Je ne connaissais pas. Wallahi billahi tallahi. On est parti dans le plus grand respect. C'était ma mère qui allait pleurer là-bas. Donc moi, les ministres là, c'est mes frères. Je les respecte, je les accorde un respect. Je vais les respecter, je les ai respectés hier, je les respecte aujourd'hui et je vais les respecter pour toujours. Tant que quelqu'un ne rentre pas à moi sur mes surfaces là, je ne veux pas te toucher, je m'en fous des gens. Et moi, je dis le RPG et tous les cas du RPG, même si demain eux là, ils me font quelque chose là, je vais penser à hier, je ne vais jamais m'attaquer à un d'eux. Je veux rester la même Fatou qui a aimé les gens là. Je vais les aimer pour toujours à cause d'Alpha et à cause de la chose qui nous lie qui est le RPG.
Donc, arrêtez. D'accord? Arrêtez votre ethnocentrisme. Arrêtez de dire du n'importe quoi. Je ne cherche pas le quotidien. Je ne suis pas une petite personne qui cherche le départ. Aujourd'hui, je dis, même quand je... Moi, peut-être la seule chose que... Parce que, Fatou, peut-être c'est Marie. Et ça même, j'ai deux enfants. On cherche Marie pourquoi? C'est pour faire des enfants. Bon, étant musulman, oui, mais ça aussi, ça va venir. Mais pour l'instant, je ne cherche pas le quotidien. Je ne cherche pas le départ. Et je ne suis pas une lâche. Je ne suis pas une opportuniste. Je ne cherche pas l'opportunité. D'accord? Je ne suis pas une démagogue. On ne me pousse pas à faire des choses que moi, je n'ai pas envie de faire. Donc, on doit se respecter. Mais là, mes directs deviennent longs, là. Pourtant, les directs de 1h, 2h, là, ça, ce n'est plus direct, c'est devenu des films. Faut pas que moi, je parle de ça et puis je me retrouve dans ça. Donc, du coup, c'est devenu long. Je vais vous laisser mes amours. Je vais vous laisser mes amours. Mais quand je vous parle, ne prenez pas les bêtises que je dis. C'est vrai, des fois, je fais des bêtises. Les gens, je l'ai laissé ça de côté. Mais venez prendre l'essentiel dans ce que je dis. La dernière fois, je vous ai dit ici qu'ils vont arrêter les Doncas. Personne ne pensait, s'attendait à ça. Voilà. Moi, je sais c'était quoi. Après, quand ils envoyaient toutes les personnes, voilà. Et les personnes aussi qui sont sur la liste maintenant, là, on connaît tout ça, là. Maintenant, je vous ai dit il n'y a pas longtemps, je dis après... Quand ils vont arrêter ces loups, ils vont chercher aussi à arrêter les militaires. Bon, comme pour ces loups-là, ils ont vu pour l'instant-là, c'est pas possible, c'est pas, ça va pas être facile pour eux. Pour l'instant, c'est vrai, même le jour où il va rentrer, mais lui aussi, avant qu'il ne rentre là, il va rester à distance. Nous autres là aussi, là, on va le bombarder. Ouais, c'est ça. On va faire partir Mamadi Doumbouya. Je vous promets qu'il va partir. Je vous promets qu'il va partir. Net, il va partir. Donc, on va rester à distance. On va rester à distance. On va le faire partir. Maintenant, celle-là va rentrer. Parce que vous-même, vous savez, il n'y a pas une justice. Sa maison a été détruite. Le dossier était sur le juge d'instruction. Au lieu que le juge, au moins que ce soit, ah, c'est la justice, mais tellement que Mamadi Doumbouya veut se montrer homme fort, il veut prouver au monde que nous, déjà, on sait, la justice, c'est lui qui donne les ordres. Donc, il pouvait dire à la justice de se prononcer pour dire que celle-là n'a pas raison. Là, au moins, on va dire, ah, c'est la justice qui s'est prononcée. Mais tellement que je dis, là, l'affaire, là, celle-là, dans les dieux avec lui, la justice n'est pas prononcée, ils sont là, le dossier est en procès. Mamadi, ça allait te faire quoi si tu laissais cette justice-là faire cette procédure sans faire tomber la maison? C'est là que le monde a vu ta haine, ton acharnement contre ce Loudalé. La communauté nationale a vu l'acharnement. Et dans tout ça, ce n'est pas que la maison de ce Loudalé. Les maisons des autres leaders-là, tu n'as pas fait tomber. Ahmad Damaro, sa maison est là-bas. Sidia, sa maison. Docteur Diané, sa maison. Les autres là. Hein? Toutes les personnes, les leaders politiques, je ne parle pas des autres, mais je parle des leaders politiques. Leur maison, personne d'entre eux, leur maison n'a été pour dire que non. Comme ça, si aujourd'hui seul nous sortait dire, ah, ils ont fait tomber ma maison, le peuple allait dire, mais tu n'es pas la seule personne. Attention, c'est loup, c'est les maisons de l'État. Si tu n'es pas la seule personne à être victime, on a fait tomber les autres maisons. Mais il n'y a que la maison de ce loup d'Alain. Vous voulez qu'il vienne, il va rentrer dans vos gueules là-bas pour que vous l'avalez? J'ai une haine contre ce loup. J'ai une rage contre ce loup. Mais pour vous, c'est pire, c'est grave, c'est dangereux pour vous. Donc, vous, là, dans l'affaire, là, il ne va pas aller rentrer dans la gueule du loup. Il n'ira pas. Je dis, après l'Amérique, c'est le Canada, l'Europe, après l'Europe, l'Asie, après l'Asie, il n'ira pas. C'est moi qui le dis et on le soutient. Pignan, vous autres qui parlez, là, c'est parce que vous êtes des démagogues. Sinon, vous savez, il n'y a pas une justice en Guinée. Vous le savez très bien. Vous avez vu l'acharnement, la haine. Moi, j'allais être très contente aujourd'hui parce que j'allais dire c'est Dieu qui est en train de faire mon combat. Mais moi, je vous ai dit le jeu. Moi, je ne parle pas de vous.
Je dis moi, Fatoumata Bint Diallo, la fille de l'âge Omar Niello Diallo, moi qui a le Coran ici, moi qui sais que quand on fait du mal, on te fait du mal. Étant un bon musulman, ne paye jamais le mal pour le mal, par le mal, je le sais. Je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un. Moi, tout ce que je vais faire, c'est pour faire plaisir à mon créateur et à mon prophète Mohamed, paix à lui sur lui, et moi, ma personne. Donc, je ne vais jamais payer le mal par le mal. On est d'accord? Donc, celle-là ne rentre pas, parce que ça, c'est l'acharnement. La haine que vous avez. Et moi, je savais, c'est ce qui a fait que je me suis retirée. Je dis, celle-là, en poulard, je vais dire un proverbe. Au corps est bon ni quoi que. J'ai vu ça venir. Mini. Au corps est bon ni quoi que. Hara, copiro, oni, sonaki. Mirundo, mini, to mignaki, moriam, parce que mon connerie imbe, beau, anda. Si mon andro, comme un ibe, cellule d'alens, nando, non, boni, mama, di dumbuya, et bala, samura, idi amin. Et amara, aibe, nayo. Et ça dit bakoulibali, aibe, yo, si d'andro, non, homme, oni, be, telema. Hi bonjour ma hay tele andara tanobe mi wondri Allah enu la makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam.